Alors j'ai grandi en Haute-Savoie, dans un département qui n'est pas très propice à la transformation sociale, avec des parents ouvriers. J'ai été scolarisée dans le privé et je pense que j'ai nourri comme ça une conscience de classe, voilà, puisque j'étais un peu différente finalement de mes camarades de classe. Et après j'ai découvert le lycée public et j'ai pu commencer à lutter contre le CPE dans un premier temps. Et puis voilà, tout, j'ai fait mon petit cheminement comme ça en fait. J'ai ensuite adhéré à l'UEC pendant mes études et puis au parti, voilà, naturellement. Donc maintenant, récemment, j'ai été élue secrétaire fédérale de mon département, de Haute-Savoie. Ça a été un choix collectif de mes camarades et puis ensuite un choix personnel, malgré que je travaille à plein temps et que ce ne soit pas forcément simple. Mais je pense qu'il y a cette volonté, voilà, de redynamiser un petit peu le parti, de le renouveler et de faire place aux jeunes et à leur, aux choses différentes qu'ils apportent aujourd'hui dans le Parti communiste. Bah, je souhaite que cette idée du communisme de nouvelle génération elle aboutisse, hein, qu'on puisse construire avec toutes les forces disponibles qui portent une ambition de transformation de la société.